Eh bien ici, c'est un gros événement puisqu'on a prévu de faire la fête de la biodiversité et de la ruralité. Donc de montrer aux chasseurs et aux non-chasseurs ce qu'est réellement la biodiversité, parce qu'ils en entendent parler par les médias. Mais là, ils vont pouvoir toucher, hein, puisqu'il y a des ateliers où on peut voir certaines espèces, certains animaux, certains végétaux, donc une grosse découverte pour tout le monde. On a tenu à associer plus largement le monde de la ruralité, c'est-à-dire la pêche, les agriculteurs, tous les ruraux, quoi. C'est une belle réussite parce que toutes les personnes ont joué le jeu, et au départ il fallait fédérer tout ça, c'était pas évident, et au jour d'aujourd'hui on voit la réussite du projet. Tous les techniciens, tout le monde est mobilisé, tout le personnel de la fédé est mobilisé, les élus aussi, hein, tout le conseil d'administration. Alors on propose surtout aux enfants de faire des plantations, de préparer des plantations pour ramener chez eux, et puis qu'ils montrent aussi à leurs petits camarades ce que c'est que la biodiversité, ce qu'ils ont vu dans les stands, hein, ce qu'on leur a présenté. Aussi, alors on a une grande chance, c'est qu'on a eu énormément de bénévoles, et ça je les en remercierai jamais assez, parce que pour trouver 90 bénévoles, on n'aurait pas pu organiser cette fête-là. Oui, alors il y a aussi un point important, c'est que monsieur le préfet était très, très engagé pour cette fête de la ruralité et de la biodiversité. Et il a mis son personnel aussi, hein, puisque la DDTM est là, est présente. Donc l'administration est là à cette fête. À bientôt sur tevie.tv.